Bonjour toutes et à tous, amis, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, pour moi ça super. Les copains, on se tourne la vidéo sur le nouveau Brawl Pass, la saison 4, on va bien sûr débloquer le nouveau Brawler, les gars, vous savez très bien que j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps, là, cette vidéo, les gars, elle est pas chronométrée, mais dans mon cœur, elle est chronométrée, tout simplement, parce que je veux moi aussi jouer avec le nouveau Brawler, il n'y a pas moyen, ma petite Lou, je veux la voir, donc les gars, bien sûr, je vous remercie mille fois pour le soutien sur les vidéo précédente, j'espère que vous me bombarderez les pouces bleus sur cette vidéo, et donc du coup là, on est sur mon gros compte, hein, code Gaël, le gros compte, les gars, là où on a un record de trophées de 32 000, je vais acheter le Brawl Pass, on va gémer les paliers jusqu'au palier... au palier 30 pour avoir le brawler, vous avez suivi. La question que je vais vous poser dans cette vidéo, les gars, elle est importante pour moi. Est-ce que vous voulez qu'on achète le Brawl Pass sur le compte reconfiné, donc le nouveau Brawl Pass, à 5000 pouces bleus sous cette vidéo, les gars? Je vais acheter le Brawl Pass sur le compte reconfiné, voilà. Donc je compte sur votre soutien, franchement, j'espère que vous allez me, entre guillemets, valider ce choix-là, parce que, clairement, les gars, j'ai vraiment envie que la saison qui arrive, on explose absolument tout. Donc, les gars, on récupère vite fait les doubleurs de jetons, on vit, bien sûr, les gars, le code Gaël, ça fait plaisir, n'hésitez pas à le rentrer. Ça fait plaisir de se sentir soutenu tout simplement par vous. Et pour ceux qui veulent participer au concours sur mon Instagram, je le dis, je fais le tirage au sort ce soir 20h sur les skins de Beau Infernal. J'en fais gagner 3 et il y aura aussi un concours Brawl Pass où je ferai gagner des Brawl Pass. Donc les gars, go sur l'Instagram, premier lien de description. J'espère que vous êtes tous abonnés, les gars. On valide vite fait tous les petits jetons et je pense qu'on est parti sur le Brawl Pass. 3, 2, 1. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? On valide les 10 paliers en plus, hein. Ben, bien sûr, va falloir me prendre. D'ailleurs, il va manquer des gemmes, putain. Il va manquer des gemmes, les copains. On valide le Brawl Pass. Vous êtes prêts, les gars? C'est prêt? Ok. 249 gemmes, ça part de là. Forcément, j'achète les paliers parce que du coup, les gars, je vous le dis, pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas fait gaffe, mais le brawler n'est plus packable avant le palier 30. Hein. Il faut absolument atteindre ce palier 30 pour le débloquer. Hein. C'est-à-dire que là, si je clique sur les brawlers, normalement, à gauche, voilà, débloqué au palier 30 de la saison. Tant que vous n'avez pas atteint ce palier 30, n'ouvrez surtout pas vos boîtes. Hein. Voilà, je vous le dis quand même, ne faites pas cette erreur-là. Ce serait plutôt dommage, donc on va du coup ben, se gémer tout ça, voilà, tranquille, là. Alors c'est vrai que ça enlève un petit peu la magie du pack opening, les gars, je vous avoue que je suis le premier déçu de cette situation-là, parce que je préfère tellement vous le packer, quoi, comme je dis à la loyale en général, mais on n'a pas le choix. Alors ce qui est cool, c'est que du coup j'ai des gemmes à récupérer, les copains, alors regardez, il y a des gemmes là, on va les prendre. Il y a des gemmes par là. On va les prendre, les gars, parce que j'en aurais pas assez pour aller au palier 30, c'est la PLS. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y a plus de gemmes? Soit on se met à pleurer en vidéo, les gars, ce qui n'est pas forcément la situation que je préfère. Soit on va mettre des gemmes. Je pense que la situation de mettre des gemmes, à mon avis, elle est plutôt pas mal. Je vérifie bien que le code Gaël soit activé. Mais oui, on l'a activé il y a 2 minutes, il y a encore. Et du coup, combien de gemmes il va me falloir, les copains? Je pense qu'on va foutre un 20 balles de gemmes. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'on est assez large, en tout cas, avant de pouvoir faire des games avec le nouveau Brawler Loup? Et bien sûr, comme je dis souvent, les gars aussi, on va se le maxer à hein, la suite, un gadget. Donc du coup, c'est vrai qu'on va faire un petit pack opening pour choper le gadget et le Star Power. C'est vraiment les vidéos que je préfère faire. Je préférais clairement les faire quand on devait débloquer le Brawler en ouvrant des boîtes, hein. Mais bon, on va quand même se prendre les gemmes, je parle un peu trop longtemps. Alors, normalement, les gemmes devraient pas tarder à tomber, les copains, l'achat a bien été effectué, du coup, on a pris 360, normalement, on est plutôt large, pour le coup, là, et du coup, ouais, on va se maxer le brawler, en fin de compte, ça va, mon plaisir d'ouvrir des boîtes va quand même avoir lieu, les copains, parce que, du coup, on va quand même faire une game dès qu'on le débloque, ouais, c'est une vidéo pleine de surprises, les gars, on est un peu obligé. Alors, sur le compte reconfiné, pour ceux qui voteront pour que j'achète le Brawl Pass, clairement, on ne gèmera pas les niveaux, hein, hors de question, on se tolère juste l'achat du Brawl Pass, les gars, vous serez pas déçus, et j'espère que vous allez clairement me dire, oui, les gars, je suis comme un enfant, là, parce que, voilà, j'ai besoin de votre accord, tout simplement pour pouvoir dépenser en toute sérénité, et le dernier palier, normalement, c'est celui-là, voilà, il est là, le petit loup, il est normalement débloquable. Dès qu'on va cliquer, est-ce qu'on clique? Est-ce qu'on clique, les gars, ou pas? La réponse est, vas-y, envoie le brawler, frérot, on n'a pas le temps. Et du coup, petit screen des familles, voilà. Ça fait plaisir. Ça me servira de miniature, vous connaissez ma chaîne. Alors du coup, le problème qu'il y a, c'est que là, les épiques réactions, c'est terminé, les gars. Je vais pas vous faire une épique réaction sur un truc où on l'achète, parce que c'est juste évident. On va juste mettre en... Ne pas déranger, parce que c'est pas vraiment l'objectif de la... Alors...
Rappel, il vous reste des récompenses à récupérer pour la saison 2. Si vous ne faites pas bientôt, elles seront ajoutées. Ok, ok, frérot, détends-toi, détends-toi, on va les récupérer de suite. Donc du coup, on va juste lui mettre des points de pouvoir à mon petit brawler loup. Où se cache ce nouveau brawler, les copains? Ouais, j'entends la vidéo, c'est... On est dans la matinée, là. On est dans la matinée, je suis bien réveillé. Mais quand même, est-ce que... Est-ce qu'on se l'améliore comme ça? Vas-y, vas-y, on se l'améliore, on va se tester. On va se tester un petit peu, J'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, on le met niveau combien, cette bestiole, là? Niveau 3, 4, 5, 6, 6. Niveau 7, niveau 7, les gars. Il est niveau 7, il y a une offre dans le shop. Oh, il me propose d'acheter des points de pouvoir, mais j'ai pas besoin, du coup, parce que j'ai plein de points de pouvoir. Ok, je parle trop, les gars, excusez-moi. Oh, purée, non. Bon les gars, j'ai trouvé le moyen de vous lancer, de lancer une game avec avec BA. Je vous la cut, hein, je vous cut la game, je suis trop à fond. Et du coup, je fais n'importe quoi, première game avec Lou. C'est du coup parti. Et on va se concentrer un petit peu, histoire de voir un petit peu ce brawler. Ça nous fera penser à quoi? Est-ce que ça fera penser à Colt ou pas? Ou est-ce qu'on peut dépop la Elisa corps à corps? Ok, alors c'est un test, hein, les copains, c'est un test, je la ralentis avec l'ulti, on a vu que ça fait quand même le taf, là, Elisa, on a quand même bien des pops, on va tout simplement essayer de régénérer un petit peu, de se prendre les popos, alors on vise clairement le top 1, les gars, la première game que vous faites avec le brawler, elle est hyper importante, hein. Elle va déterminer votre comportement avec ce brawler par la suite, ouais, ouais, je m'invente mes scénarios, les gars, mais le tout, c'est d'y croire, en tout cas, là, on est plutôt pas mal... là, lui, est-ce qu'il veut qu'on le dépop? La réponse est oui. On est déjà à 7 énergie. Ça annonce un gros carnage. Attention quand même à la Penny. Si jamais elle venait à tirer à travers les caisses, elle pourrait grave me dépop. Mais apparemment, elle est décédée. Ouais, lui, il veut me piquer mon 4h. Lui, je sens qu'il veut me piquer mon 4h. Il y a des popos en haut, on va aller les chercher. On est à bas niveau, là. Pour l'instant, faut pas trop chercher à comprendre. Pareil, on le freeze et on le dépop. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a un mec par là. Tac, il est mort. On est à 15 pots pour la première game, les gars. On le fait monter à 10 000 PV. 10 000 PV. 9640. On est bien, les gars. Les gars, c'est une game de routine. On est pépère. Je ne force absolument pas. On est tranquille. Où se cachent les ennemis qui restent? Apparemment pas là. Peut-être en bas, là. Non, bah, attends, les mecs. Ah non, mais il y a une Nita. Il y a une petite Nita toute mignonne. On va lui mettre juste le freeze, l'attaque, et du coup, on va la shooter, parce que du coup, elle est immobilisée, les gars, c'est presque la triche. Je lui mets le sort de gel que vous connaissez sur Clash Royale, et derrière, on la dépop, donc ça fait excessivement plaisir de faire un premier top 1 avec ce petit brawler, et les gars, on va directement se le maxer, parce que j'ai pas le temps, mais du tout. Je pense qu'on va aller sur les boîtes des saisons précédentes. Bah oui, les gars, on est bon, on a tout récupéré là. C'est bon. Vas-y, envoie. Envoie les grosses boîtes. Alors là, il faut qu'on chope du coup des points de pouvoir. Quoique, je suis en train de me dire... Je suis en train de me demander, les gars, si j'ai pas des points de pouvoir à attribuer au brawler directement, là. Est-ce qu'il y en a pas qui traînent? Et il y a des points de pouvoir qui traînent par là. On va lui mettre directement. Est-ce qu'il y en a pas d'autres? Il y en a là. On va lui foutre directement aussi. Donc là, il y a un niveau de plus, déjà. Alors, on va aller lui mettre des points de pouvoir. Mon petit loup. Alors, il faut Gadget et Star Power, les gars. J'arrête pas la vidéo tant que c'est pas fait. Vous savez très bien que j'ai pas le temps. Et du coup, autant se servir de nos boîtes pour se faire plaisir. Il faut un maximum de points de pouvoir. 43, c'est un petit peu radin. Ah, ça fait plaisir, les gars. On se fait quand même la face, pas copénique. On arrive quand même à se la faire. En tout cas, j'espère que vous voudrez tous participer au concours sur Instagram, hein, les gars. Ceux qui peuvent pas se payer le repasse. Clairement, le but, c'est de vous faire gagner. Donc, ceux qui veulent aussi avoir le skin de Beau, profitez-en, les gars, c'est les dernières heures, il faut juste me suivre sur le compte Insta, ça vous coûte que dalle, et du coup, faut en profiter, voilà, les gars, faut profiter des concours comme ça, ça vous permettra peut-être de gagner ce Brawl Pass. Alors là, 64, il m'en manque combien, là, les gars? Il va m'en manquer à peu près un peu moins de 200, je dirais 180. Combien, là? Combien? 47, ok. Ces grosses boîtes, elles sont grave rentables. Pour moi, c'est les... Les gars, c'est gadget, je m'y attendais même pas. Je m'y attendais même pas parce que dans ma tête, il fallait que ce soit max. Je pète un câble. Ouais, je suis plus objectif, les gars. Mais du coup, normalement, le gadget devrait tomber maintenant. Tac. Oh! Ah non, mais non. On débloque le pouvoir star de Ambre. Mais non. Mais je m'en fous, là, dans cette vidéo-là, le pouvoir star de Ambre. Je m'en fous, les gars. Je veux... C'est une vidéo sur Lou, là. Ok, Lou, elle est full max. Donc ça, c'est déjà... Enfin, elle est full max. Elle est niveau 9. Donc maintenant... Voilà, niveau 9. On va tout simplement aller lui chercher son gadget
et enfin, si possible, et son star power, si le jeu veut être gentil avec moi, ce qui paraît quand même là pas super bien engagé. Alors, on prend du gold, ça servira dans une vie, dans une prochaine vie, tout simplement, parce que on achètera des skins, les gars. En ce moment, le programme est lourd, et là, on voit un objet restant 1, qu'est-ce que ça peut être, gadget ou star power. Le plus dur reste, le pouvoir star à débloquer. Je préférais le choper en premier, clairement. Malheureusement, on débloque le gadget, petit screen des familles pour mettre sur la minia, et du coup, il nous manque plus que le pouvoir star, les copains. En espérant l'avoir dans pas trop longtemps, parce que je crame toutes mes boîtes. Alors, ça me dérange pas non plus, hein. C'est pas la fin du monde, mais quand même, les gars. Du coup, le gadget, Lou s'entoure d'un bouclier de glace et devient invulnérable pendant une seconde. C'est quoi ? On se fait une game. On se fait une game avec le gadget, les copains. Et on va juste... Et on se fera encore une game avec le pouvoir star tout à l'heure. Parce que voilà, il faut quand même tester un petit peu les différentes facettes de ce brawler. À quel brawler il vous fait penser ? Ouais, il n'y a pas vraiment de brawler. Entre Max et Colt, je dirais, moi, si ça devait me faire penser un peu. Mais bon, sans plus. Je pense que là, on va se farmer les boîtes du mid, tout simplement en espérant pas se faire trop coincer, parce que lui, il a un ulti, là. Ouais, voilà. Lui, il a un ulti. Il a décidé d'humilier Tonton, c'est vraiment pas gentil. Je vais aller chercher cette popo. On va régène, les gars. Je fais n'importe quoi, on va régène. Et on va essayer d'aller sauver Rico, qui a fait un peu le malin avec nous. La Jackie là. Alors. Elle va mourir normalement, la Jackie, ok. Lui en bas, on va lui mettre un freeze et on va aller le dépop. Il faut qu'on défonce le Rico, les gars. Le ricochet, il nous a manqué de respect au début, les gars. Et nous, clairement, on ne se laisse pas manquer de respect. On ne se laisse pas du tout manquer de respect sur Brawl Star. Oh non! Ah oui, du coup, j'ai utilisé le bouclier, j'ai voulu utiliser le gadget, mais du coup, ça, c'est vrai que ça, je reste immobile. Donc, c'était juste une super mauvaise idée. Et on a auto-aim lâchement ce ricochet qui faisait le malin pour faire un deuxième top 1. Franchement, les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, j'ai tellement hâte de vous tourner la vidéo où j'achète le Brawl Pass sur le contre-confiné, les gars. Ça me hype limite plus que sur le gros compte. C'est vrai qu'on est tellement à fond sur le contre-confiné en ce moment, les gars, que je suis dans ce bail-là. Donc, j'espère que vous aussi, les gars. J'espère que vous aussi, parce qu'en plus, on a des packs opening à se tourner sur le contre-confiné. Mais je vous en parle même pas, quoi. Il y en a dans tous les sens. Donc, on est chaud comme jamais. Alors, le pouvoir star, mon frérot, si tu peux tomber dans pas trop longtemps, ça m'évite de tout cramer pour toi. Parce qu'en vérité, la solution la plus intelligente à ce moment-là, c'est clairement d'attendre demain qu'il me le propose dans le shop à 2000 or. Hein. Sauf que voilà, nous on est en vidéo, on s'est fixé comme objectif de tout débloquer, donc on n'a pas le choix, hein, on respecte. Mais ça pourrait quand même me coûter cher en boîte. Ça pourrait me coûter cher en boîte, les copains, tout ça. On a des petites boîtes bleues, voilà, les boîtes, les dernières, hein, du coup, qu'on avait gardées de l'époque, l'ancienne version de Brawl Stars, avant qu'il y ait les Brawl Pass, rappelez-vous. On farmait ces boîtes-là, qui ne sont toujours pas perdues. Hein. On les garde quand même. 99 gold. Allez, le pouvoir star, mon petit, c'est le moment de faire ton apparition chez Tonton, là. Allez, tu peux le faire. Ou pas. Est-ce que ça vaut le coup de tout ouvrir? Là, on a l'or qui doit monter en flèche. Ah, vas-y, on rebondit sur ces grosses boîtes-là. Allez, le pouvoir star. On veut voir un clinoting. Encore 12 grosses boîtes. Ah, les gars, je vous fais pas attendre, j'ai pas le temps. Le pouvoir star de mon petit, de ma petite Lou, il est là. Et tout simplement, on va aller l'équiper, les gars. Elle est équipée, voilà, c'est bon, c'est validé. Du coup, les adversaires qui se tiennent sur la zone du super de Lou se retrouvent progressivement congelés. Comme pour sa crème glaçante. Moi, j'ai envie de vous dire que là, si on fait pas top 1, les gars, ah ouais, c'est gravissime. C'est gravissime, les gars, de pas faire top 1, là. En tout cas, j'espère qu'elle vous régale quand même cette vidéo, même si la nouvelle version ne permet plus de débloquer le brawler en pack opening, comme je l'ai dit 10 fois dans cette vidéo, mais j'espère quand même que ça vous fait kiffer, parce que, clairement, moi, ça reste toujours un plaisir de faire ces vidéos-là. On s'est pris une petite frayeur, hein, j'ai lâché le freeze, oui, j'ai appuyé sur tout. J'ai paniqué, les gars. J'ai légèrement paniqué, alors qu'en vérité, il aurait suffi que j'appuie sur le gadget pour éviter son coup. Mais vu que j'étais one-shotable, je sais pas si ça se dit, mais elle pouvait me one-shot et me tuer, du coup, je me suis un petit peu méfié. On laisse les points de vie remonter et on défend cette caisse, ok. Alors, tout simplement, les copains, on est en train de se gérer le top 1. Hein. Quand vous prenez autant de pots, de caisses sur le mid de la map, ou peu importe où d'ailleurs, mais quand vous êtes à 5-6 caisses, voire plus, en général, le top 1 se rapproche... Se rapproche plutôt violemment. Même si pour farmer des popos, c'est pas la plus rapide. Ouais, c'est pas non plus catastrophique. Mais c'est pas la plus rapide.
Alors, la Rosa, je pense que corps à corps, on la défonce. À mon avis, hein. À mon avis, corps à corps, on la défonce, ouais, je pense, non? Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille, j'ai beaucoup trop de pôles. Le brawler, il est beaucoup trop cheaté, là. Le boule, on va lui mettre un petit freeze dessus. Comme ça. Tac. Et là, je pense que c'est le coup fatal. Nous sommes à 11 popos, on laisse les points de vie remonter. Et on va prendre les deux fights finales. Oh, le carnage, les gars. On leur met double gel, mais le combo gel plus leur tirer dessus, c'est juste abusé comme c'est fort, quoi. C'est vraiment abusé comme c'est fort, les gars, c'est vraiment un gros, gros, gros carnage. Et je pense qu'on se fait juste une toute dernière game pour valider la quête et se faire excessivement plaisir. La vidéo de Rush du Brawler, elle arrivera très bientôt. On va essayer de se faire un plus 150 trophées minimum avec ce Brawler, voilà, sans faire de cut et tout, la vraie vie. Voir si on arrive à faire un full win ou pas, les copains. Je pense que c'est faisable, largement, je sais pas. Parce que ça m'a quand même l'air moins fort qu'une ambre. Mais je pense que c'est atteignable. Alors, on va quand même... Je vais faire un petit peu gaffe parce que là... J'ai pas trop envie de me faire... De gâcher la vidéo à faire une lose. Là, en vérité, on est bien là pour l'instant. Carlito, il veut faire quoi, Carlito? En vrai, les gars, on va la jouer un peu plus safe. On va la jouer un petit peu plus safe, là. Ok, Penny morte, est-ce que je peux prendre l'énergie ou pas? Oui. La Shelly, là, elle a l'air de vouloir mourir. Attention quand même qu'elle me lâche pas un ulti venu de je ne sais où. Là, vous avez vu le Barley comme il se retrouve bloqué dans le gel, c'est abusé. Il peut plus rien faire, waouh, waouh, waouh. Il y a un arcade en bas qui est déterre, on va aller le dépop, vous inquiétez pas les gars. On va pas cesser manquer de respect trop longtemps. Ok, en se servant du sort de freeze, on la dépop, il avait plus de shoot. Et là, il y a la Shelly. Petit sort de freeze, enfin, de sort de gel, et... Tout simplement, elle doit être là. Ah putain, j'ai mal pré-shot. Alors, elle se fait... On va régène pour éviter de faire surprendre, les gars. Je suis un petit peu trop impatient, mais en vrai, je pense pas qu'on puisse perdre cette game. Elle gâche en ulti très, très, très bêtement. Et du coup, on teste le gadget au corps à corps, pour le fun. Ça sert à rien, ça sert à rien, les gars. C'était pour le fun. Ok, elle est morte. On a fait que des top 1 avec ma petite Lou. J'aime beaucoup ce brawler, les gars. C'est pas du calibre de Ambre, mais moi, je vous dis, c'est quand même vachement, vachement OP. En tout cas, ce nouveau Brawl Pass de la saison 4, moi, clairement, il me hype à fond. L'escapade saisonnière, j'espère qu'on va pouvoir kiffer cette saison jusqu'au bout. Est-ce que vous voulez qu'on se gemme le Brawl Pass en entier? Moi, je trouve que c'est un peu inutile, parce qu'après, bah, toute la saison, on va pas savoir quoi faire. Là, c'est vrai que le but, c'est quand même de valider les quêtes. Hein. C'est un peu le but de Brawl Stars. Donc, voilà. Alors, je pense qu'on va se le jouer dans cet ordre-là. En tout cas, les copains, vraiment, j'insiste, mais j'espère que vous participerez tous au concours sur Instagram, que vous allez tous rentrer le code Gaël. Ça fait plaisir. Et puis, je vous fais des gros, gros, gros bisous à tous. À demain.